Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes scorpions, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Avec l'étoile, on vous parle de protection. Tous les espoirs sont permis ce mois-ci, mes scorpions. Votre réseau d'amis ou de contacts peut venir en aide par rapport à une situation donnée. On va regarder le message de l'oracle. Vous avez des bénédictions et la notion de phare qui apparaît. Donc des bénédictions, des protections, effectivement. Très bien. Et la notion de phare, donc quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, une personne, votre entourage globalement, qui vous sert de point d'appui, qui vous sert de d'éclaireur dans la lumière, en fait. Je sais pas si ça fait le point comme il faut. On a un soutien comme un point de focus pour savoir vers où on va. J'ai pas l'impression que ça fasse le point. Voilà, ça y est. Quelque chose qui permet d'éclaircir aussi, qui permet de clarifier les choses. Donc pour moi, c'est une personne qui vient vous aider. On me donne le mot de sentinelle, quelqu'un qui veille sur vous. On me parle aussi de lumière divine, de connexion ici au chakra couronne pour ceux à qui ça parle. Donc peut-être un mois empreint de spiritualité aussi et de communauté, de lien avec une communauté d'âmes peut-être, une communauté d'ancêtres, une communauté d'esprit pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques. Donc la première maison qui vient vous parler de vous, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Bon, vous retrouvez l'étoile. Donc là, clairement, je remercie mes guides de vous envoyer ces messages-là. Vous avez une grande protection et vous vous sentez peut-être effectivement. Il y a peut-être de la chance en fait qui arrive pour vous, un soutien inespéré. Il peut y avoir des bonnes surprises aussi. Et pour les personnes qui sont dans des situations très délicates actuellement, on voit que ce mois d'octobre va être un mois où vous allez poser beaucoup de choses pour avancer. Ne lâchez surtout pas, on me dit ici voilà, du courage et de la persévérance parce que l'univers vous soutient dans vos projets, même si vous traversez une période difficile, ça va se débloquer, il va y avoir une avancée, vous allez avoir quelque chose qui va vous sortir d'un mauvais pas et puis peut-être aussi que pour certains, cette mauvaise expérience va finalement vous apporter quelque chose de mieux derrière. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. On a un cavalier de coupe qui nous parle eh bien d'amour, de bénédiction, de protection des ressources en accord avec ses valeurs profondes. Donc, vous voyez, je sens un moi apaisé sur le plan financier, sur le plan. Alors, le matériel, ça va être aussi votre corps. Je sens une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Alors, ici, on me dit de vous parler de la lune. Il y aura une nouvelle lune en scorpion, donc dans votre signe, hein, le 25 octobre. C'est une lune de régénération. La nouvelle lune ouvre un nouveau cycle d'expérience. Et ici, cette nouvelle lune en scorpion, elle peut entre autres, hein, vous inviter à repartir vers quelque chose de nouveau. Hein. Dans le scorpion, on est vraiment sur une renaissance, hein, une transformation profonde, puisqu'on est par analogie en lien avec la maison 8, maison de la régénération. D'accord, et des transformations profondes. Donc il y a des choses peut-être qui vont s'opérer sur le plan matériel. Vous avez le nœud sud aussi dans votre signe. Des choses à relâcher peut-être qui vont se relâcher sur le plan matériel par écho avec le signe du taureau dans lequel se trouve le nœud nord qui est opposé à votre signe, hein, mes amis scorpions. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui se joue comme ça pour vous sur le matériel. En tout cas, je sens une grande fluidité. Une notion d'accord avec vos propres valeurs, voyez, une grande
finalement une notion d'harmonie qui apparaît là en fait. Donc ça peut être qu'on se sent mieux dans son corps, on va voir ce qui sort ici au niveau du quotidien, on se sent mieux dans son âme, son esprit, le mental se libère, on se détache des choses, ça peut être des soucis du quotidien, des tracas matériels, et puis je sens une grande fluidité de toute façon, donc il y a une certaine affluence ici sur le plan matériel, c'est possible que vous ayez des rentrées d'argent, pas forcément prévues, ou en tout cas des perspectives, hein. On voit comment ce cavalier se déplace vers l'avenir, des perspectives pour votre avenir sur le plan financier. Et je vous disais tout à l'heure, hein, sur l'énergie, on est en mode déblocage. Il peut y avoir effectivement des déblocages si vous vous sentez actuellement un peu pris sur le plan financier. Les choses, elles vont avancer. Maison 3, la communication, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements. Alors ici, on sent qu'il y a quand même, hein, des peurs. Des peurs. Alors tout de suite, là, je suis avec Mars, qui est le maître traditionnel de votre signe, Mars en Gémeaux, qui va prendre un mouvement rétrograde en toute fin de mois et qui de toute façon, bah, ce long transit, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, ce long transit de Mars en Gémeaux va nous poser des petits problèmes en fait sur le plan de la communication. Donc effectivement, vous pourriez avoir besoin d'être particulièrement prudent pour qu'il n'y ait pas de malentendu dans vos échanges, dans ce que vous voulez dire, vous faire bien comprendre, prendre en considération le point de vue de l'autre. Il pourrait y avoir des malentendus. Donc peut-être qu'il serait bon de faire preuve de prudence. Et puis on a Mercure qui va venir quand même dans votre signe. Alors à la toute fin du mois, à la toute fin du mois. Ici, Mercure va vraiment vous solliciter, va vous apporter beaucoup d'instinct, voyez, beaucoup de sang-froid pour faire face à une situation difficile. Je pense que sur la fin du mois, il peut y avoir des choses intéressantes. Après, attention à Mars rétrograde, parce que Mars rétrograde le 30 octobre peut nous apporter des difficultés à passer à l'action ou intérioriser de la colère. Donc, vous voyez ici, sur le plan de la communication, on sent qu'il peut y avoir des tensions, oui, on sent qu'il y a une fatigue là en fait, sur le plan de la communication, sur le plan peut-être des petits déplacements. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez être contraint de moins bouger parce que vous aurez un blocage? Alors, il y a des choses à évaluer. Vous voyez, ici, on me redit en fait, évaluer votre façon de communiquer, votre rapport aux autres. Si vous ne le sentez pas, si vous vous sentez trop fatigué, si vous sentez qu'il y a des tensions, si quelque chose ne file pas, vous voyez cette douceur que j'avais sur les ressources, je sens que vous avez de l'aisance ici, mais sur la communication, ce n'est pas forcément de votre faute. Si vous sentez que ça ne fonctionne pas, il y a besoin de prendre le temps pour évaluer la pertinence d'une parole ou d'une action. Ouais, vraiment. Grande prudence. Alors, je vais regarder quand même parce que là, on m'alerte, on me dit qu'il y a des situations qui se passent sur. Peut-être des choses qui se jouent en lien avec les frères et sœurs. Ça va être un message plutôt spécifique, donc je vous invite à prendre si ça vous parle. Qu'est-ce qui se passe ici pour les scorpions qui sont concernés? Est-ce qu'on peut avoir un message plus précis? Alors, une histoire de cadeaux. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, des blocages, des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont finalement des cadeaux, avec des retards, mais qui seront des cadeaux pour plus tard. Vous voyez, un cadeau qui arrive avec du retard. Ok. Sur des accords. Ouais. En fait, je pense qu'ici, ce que les cartes viennent nous dire, c'est que c'est peut-être pas le moment de vous engager. On va voir ce qu'il y a dans les partenariats. Mais sur la communication, les nouvelles que vous pouvez donner, comment le courant va passer. Alors, on a Mercure qui est revenu direct, hein, le 2 octobre, il revient direct en tout début de mois, mais qui est encore en vierge, donc il n'est pas, Mercure n'est pas revenu exactement sur ses pas et n'a pas vraiment repris une marche directe à partir de son point de rétrogradation. Donc, on est encore sur des freinages, il y a encore des effets de Mercure rétrograde qui peuvent être là. Plus, je vous ai dit, Mars en Gémeaux, bon. Donc, prudence là pour certains d'entre vous. On va voir ce que le tarot vous conseille au niveau de l'action. Qu'est-ce qui est préconisé pour mes scorpions qui regardent cette vidéo? Ouais, il va falloir jongler. Ne
Alors, on me dit ici, ne vous vendez pas. Comment dire? Ne vous trahissez pas. Restez vous-même. D'accord? Ça va être important. Restez en accord avec vos valeurs, avec vous-même. C'est juste un passage là. Ça va. Il y a du retard. Patience. Il va falloir jongler avec une situation, jongler avec des rapports tendus peut-être, un déplacement qui ne se fait pas, une tension avec un frère, une sœur. Ça va passer. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil? Voyez, on a de nouveau ce 9 d'épée. Ça va passer, c'est transitoire. Ok, fin de cycle. Il y a peut-être des choses à relâcher aussi hein, sur la relation. Fin de cycle, un 10 d'épée. Je vous ai dit sur cette nouvelle lune hein, du 25 octobre, il y a peut-être des choses à relâcher. Cette nouvelle lune aussi, on m'indique qu'il est temps pour vous peut-être de faire la paix avec soi et avec les autres. Hein, d'accord? Ça peut être le temps en fait de mettre un peu plus, peut-être pour certains, de l'eau dans son vin. Vous voyez un équilibre. Il y a la notion ici de finalement de sacrifice au sens où vous avez peut-être le sentiment d'avoir quelque chose à perdre, mais vous allez construire pour l'avenir. C'est vrai que ça vous demande de l'endurance et ça vous demande aussi d'être combatif sans être agressif. Voilà ce que je reçois. Ok, allez, donc ça. On est calé sur cette. Donc on sent pour vous, mes scorpions, qu'il pourrait y avoir quand même des petits frottements. Alors on laisse filer doux. Après, par ailleurs, quand même, hein, Vénus est en balance. Donc cette énergie, elle vient nous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité pour des relations sociales harmonieuses. Mais c'est vrai que bon, bah, vous, au niveau des angles, ça ne vous impacte pas directement, mes scorpions. Si vous avez le soleil, bah, l'ascendant, ça tout dépend, hein, mais. En particulier pour les soleils en scorpion, ça ne va pas tout de suite vous impacter. Après, le 23 octobre, vous aurez quand même le soleil dans votre signe qui va vous donner beaucoup d'énergie pour vous régénérer. Donc il y a peut-être des transformations qui sont en train. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs la carte pour les transformations qui sont en train de s'opérer. Il y a des transformations, du changement, ça peut vous déséquilibrer. On avait la carte de la justice tout à l'heure. J'ai peut-être aussi des gens qui sont en train de libérer des choses, qui tranchent, qui ont besoin de prendre des décisions, de couper des liens toxiques. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, en transformation, on repart, vous repartez à zéro sur un plan particulier. Il y a une régénération forte pour certains scorpions sur ce mois d'octobre. Hein. Oui, moi je pense que vous allez avoir de nouvelles possibilités de faire autrement. Faire autrement, alors ça va pas être dans tous les domaines, hein, mais il y a un domaine en particulier qui vous préoccupe actuellement. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Maison 4, hein, vos racines, vos fondations, votre famille, votre foyer, le lien au père. Voyez, on a encore de l'eau, de la douceur. Cette nouvelle lune, elle est très très positive pour vous. L'arrivée aussi du soleil dans votre signe, ben, c'est très positif aussi en tant que signe d'eau. On voit comment vous allez prendre soin de votre être profond. La nouvelle lune en scorpion aussi, elle vient vous inviter à plonger en vous-même pour opérer une guérison. Ici, on est sur ça. J'ai peut-être des gens qui vont aller vers un retour vers eux-mêmes par rapport à leurs racines. D'où je viens? Qu'est-ce que j'ai vécu? Avec, ici, c'est le père, ça peut être aussi la mère. D'où je viens? Quelles sont mes valeurs? Voyez? Des bagages transgénérationnels. Des choses avec des connexions aux ancêtres aussi. On verra ce qu'il y a sur le plan de la spiritualité, mais je pense que voilà, vous allez vous connecter sur le plan émotionnel à votre être profond. On me dit aussi que vous êtes entouré sur le plan du foyer. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Des appuis solides, peut-être un rapport très harmonieux avec le père et qui vous fournit un appui, un père biologique, un père de sang, un père. Un mentor, hein, d'accord? Donc vous avez cet appui qui est là, qui vous soutient, qui vous donne la force d'avancer. Maison 5, la créativité. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais aller voir. Attendez, la spiritualité. Pardon. Qu'est-ce qu'on a sur la spiritualité? Alors, c'est intéressant. Ici, on a les regrets. Ok. Alors, moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des gens qui vivent dans le passé par rapport à un lien filial. Voyez, on me parle encore de ce père d'adoption, de ce père, ce mentor.
il y a un regret sur le plan spirituel, un tournant qui n'a pas été pris, quelque chose qui n'est pas en accord, des valeurs qui ne sont pas en accord avec vos désirs. Et pourtant, ici, on me parle justement d'être en accord avec ces valeurs. Donc, je vous dis, pour moi, il y a un changement et qui va se faire de façon éclairée, avec beaucoup de positifs qui arrivent. Est-ce qu'on peut avoir un autre message sur le spirituel pour mes scorpions? Wow, on a plusieurs cartes ici qui ont sauté, je les prends. Vous voyez, vous arrivez à la fin d'un cycle, on sort de la tristesse. Alors, on sort du dogme, hein, ici, on me dit. Sur le plan spirituel, là, mon interprétation de ce pape, si on sort du dogme, on arrive à finalement à créer son propre rapport à la spiritualité. Mais forcément, ça passe peut-être par une tension, une question à un moment. Un rééquilibrage. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de mental quand même. Hein, pour certains d'entre vous, ça va remuer un petit peu. Sur la maison 5, la créativité, les enfants, votre enfant intérieur, très bien. Là, vous voyez, on a des projets qui se mettent en place, des choses qui sont très positives, très portées sur le plan spirituel et sur le plan créatif. Donc, des projets qui se montent. Hein. On va voir ce qu'il y a sur les collaborations ici. Qu'est-ce qu'on a sur les partenariats, les associations? Bah oui, vous voyez, le soleil. Le soleil. Donc, effectivement, les associations sont favorisées. Prudence sur la manière de communiquer, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est plus familial ici, pour certains d'entre vous. Hein. Prudence sur les communications globalement, mais voyez, sur les accords, on a une belle protection, le soleil qui est là pour vous, et en particulier sur la fin du mois. Hein, le troisième tiers du mois, là, à partir du 23, ça va être le bon moment, au moment où le soleil entre dans votre signe, pour trouver des accords avec les gens, signer des papiers, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan professionnel, il peut y avoir des accords concrets, des engagements. Alors, quand je dis des papiers, c'est voilà, un engagement concret, quoi. Pas juste une parole en l'air, mais quelque chose de concret pour aller faire quelque chose en accord avec quelqu'un, une association, un partenariat. Ok ? Très positif là, très très positif. Et puis vous avez l'étoile de foi, donc il y a vraiment de belles énergies. Maison 6, on est sur le quotidien, la santé, l'organisation, la routine. Vous voyez, non mais on a de nouveau Mars. Il y a des changements sur le quotidien. Mars qui vient chambouler quelque chose sur le plan du quotidien. Et effectivement ici, vous avez les familiers, c'est vraiment votre entourage proche. Il y a des choses qui vont bouger. Alors ça peut être sur le plan professionnel, un changement. Aussi hein, par rapport aux engagements vis-à-vis, vous voyez, des petits déplacements vis-à-vis des gens avec qui vous êtes en contact étroit. Et puis on voit ici qu'il y a un chamboulement sur le plan du travail ici, hein, maison 6, c'est le travail aussi. Bon, vous changez des choses. Je vais demander quand même au tarot une information supplémentaire. Le fou, bon, voilà, nouveau chemin. Hein. Nouveau chemin et puis davantage en accord avec soi-même, on est avec Uranus. Uranus, je l'ai dit, qui est en taureau, donc qui permet peut-être de s'inscrire différemment dans la matière. Peut-être que, voilà, j'ai des gens qui vont avoir un autre rapport, peut-être avoir troqué un boulot qui payait bien, mais qui ne vous laissait pas de temps, pour un boulot qui est peut-être moins rémunérateur, mais qui vous laisse du temps pour vous-même, pour vos enfants, pour votre santé, pour sortir d'un cycle de burn-out. J'ai des gens qui sont en difficulté, là. Eh bien, on me dit ici qu'il y a un renouveau clair, hein. On casse, en fait, ce qui est cassé dans la tour, c'est ce qui ne fonctionnait pas, ça ne tenait pas. Voilà, ça ne tient pas, ça s'écroule et on a ce nouveau chemin. Alors certes, qui est un zéro, donc on est au tout début du cycle, mais y a un nouveau départ qui vous met davantage en accord avec vous-même. On me dit de chercher des solutions pour vous accompagner dans cette transition tour fou. Alors qu'est-ce qu'on a à donner comme info ? À mes scorpions, pour cette transition. Vous avez le renouveau avec la force du feu ici, le feu du soleil pour moi. La force du lion, on me dit, et la collaboration créative. Alors, vous voyez, j'ai un cavalier de coupe hein, qui me dit de vous rappeler que vous avez les ressources, voyez. Donc, ne doutez pas, il y a des gens qui doutent hein, quand même.
Vous avez les ressources, elles sont là. Et ça va glisser, ça va être bien. Vous savez comment vous y prendre. Vous avez les ressources mentales, intellectuelles, même si vous doutez de vous, et même si d'ailleurs les relations avec certaines personnes de votre entourage peuvent être un peu délicates. Hein. Vous, en vous, vous savez ce que vous valez, même si vous doutez parfois. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, voilà. Et il y a besoin de se connecter à ces différentes polarités. Alors attendez, pourquoi ça ne fait pas le point? Oui, on me dit qu'il y a besoin de clarifier quelque chose. Hein. À nouveau, voyez, il y a besoin de clarifier une situation, une relation. Vous avez besoin de vous connecter à la lumière divine, on me dit. Et sortir de l'enfumage. Alors peut-être que vous avez beaucoup de gens autour de vous, en particulier des gens très proches de vous, qui vous disent fais ci, fais là, t'as qu'à faire ci, y'a qu'à faucon. Ça, attention. Voyez, et je reviens sur cette maison 3 aussi, c'est cette énergie-là qui est connectée. Laissez tomber les gens qui vous mettent le doute, qui projettent sur vous leurs doutes. Vous avez quelque chose de beau à vivre hein, et c'est à vous de le définir et de le vivre en fait, tout simplement. Parce que vous avez tout à fait les bagages pour faire cette transformation. Hein, pas de souci sur ça. Ok. La maison 10, votre ascension sociale, votre contribution au monde, tout ce qui est socio-professionnel. Oui, il y a un retour vers soi hein, ici. Il y a un retour vers soi, quelque chose qui va... alors, bon, j'ai des gens qui sont à différents stades d'évolution, mais certains ont déjà opéré le cheminement et arrivent au bout. Et puis d'autres amorcent ce cheminement. Mais il y a un virage là. Sur le plan de la mission de vie, vous allez ou commencer à vous poser des questions... Où vous avez déjà fait un bon bout du chemin, où vous arrivez au bout, voyez. Et il y a vraiment, je suis encore avec ces énergies de la nouvelle lune en scorpion, hein. Alors, plonger en soi pour guérir, c'est exactement ces énergies-là où on va aller chercher quelque chose hein, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique. Il y a un pèlerinage à l'intérieur de soi à faire pour comprendre le pourquoi du comment, sur ce que l'on fait, ce que l'on vit, ce que l'on... Comment on s'inscrit dans la société sur le plan actif, sur le plan occupationnel. D'ailleurs, que vous soyez retraité ou pas, actif ou pas, sans emploi, comment vous vous inscrivez dans votre rôle dans la société, en fait. Et justement, la société, ben voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un soutien de l'univers et un soutien de la communauté. Il est là, le monde... Et on a cette énergie de Saturne ici avec le monde qui vient vous dire oui, il y a des épreuves. Saturne, c'est la limitation, c'est la privation, c'est l'austérité, c'est le temps qui passe, c'est le retard des choses. On a vu qu'il y avait des retards dans les concrétisations. Oui, ça fait partie des expériences de vie. Mais au bout du compte, en fait, vous, dans le monde, regardez, la maison 11, c'est vous dans le monde. Ben voilà, vous avez le monde. Donc vous allez trouver votre place. Vous allez, pour certains, hein, j'ai vraiment cette notion de vous allez devenir... un phare pour la société. Alors ça peut sembler grandiloquent comme ça, mais il y a peut-être quelque chose hein, pour certains d'entre vous à recevoir ici. Vous serez un soutien. Et on me dit de vous dire de ne pas vous sous-estimer sur le rôle que vous pouvez jouer vis-à-vis de certaines personnes que vous avez dans votre entourage. Vous êtes stimulant, inspirant, soutenant. Voilà, on compte sur vous. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte d'ailleurs. Bon, en tout cas, très très belles énergies. Maison 12, hein, quelles leçons intégrées avec tout ce parcours, qu'est-ce qu'on a? Bon, profitez de la vie. Ici, on est quand même de nouveau avec des énergies mercuriennes. On a ce Mercure. Ici, c'est comme si on venait de dire, viens faire un pied de nez à Mercure qui nous joue des tours sur le plan astral. C'est vrai. Laisse glisser. Hein. Y a peut-être besoin de désamorcer des crises. Hein. Besoin de faire la fête, de se détendre aussi, de pas trop bloquer, camper, la rancune, prudence sur tout ce qui va être énergie de rancune. La nouvelle lune en scorpion, elle vous invite aussi à faire la paix, je vous disais, avec les autres, avec vous-même, à sortir des énergies de rancune. Donc il y a tout ça, se libérer, se mettre en mode léger, festif, et ne pas rentrer dans des mauvaises énergies de communication. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça.
Allez, je vais passer au message des anges, les messages du cosmos. Et on me dit de prendre aussi des messages des portes de l'intuition. Donc, on y va. Pour mes scorpions, le message de l'univers. Alors, s'il vous plaît, un message de l'univers pour mes scorpions. Pour ce mois d'octobre 2022. Ici. Et là, ok, et je vais prendre un message psychologique. Alors, mes scorpions, octobre 2022, quel message ont-ils à recevoir, s'il vous plaît? Ok. Et il y en a deux. Allez. On me parle d'union là. On me parle d'accord et d'union. De collaboration. Alors, qu'est-ce que vous avez? Guérison de l'enfant intérieur. Là, moi, j'ai des situations frères-sœurs tendues où on s'est senti dévalorisé dans la fratrie. Ou au contraire, surinvesti et maintenant, là, il y a une tension qui se crée. Ça parle pas à tout le monde, là, ça, mais j'ai ça. Hein, j'ai des personnes qui sont dans cette situation-là. Prenez vos responsabilités et passez à l'action. Ok? Très bien. On avait ça hein, tout à l'heure dans le cavalier d'épée, dans le conseil, donc action. Et sur le plan psychologique, on a de nouveau la famille, vous voyez, il y a quelque chose de fondamental qui se joue pour certains scorpions ici avec la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord, je vous ai parlé tout à l'heure de transgénérationnel, quelque chose qui se joue ici sur le plan du foyer. Sur le plan de vos racines. Donc, il y a des gens qui ont besoin de guérir leur enfant intérieur, le lien à l'enfance, le lien au foyer, l'histoire de la famille. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Sortir du doute ici. Sortir du doute, vous êtes capable, bien, vous avez de bien plus grandes capacités que vous ne le croyez. Là, j'ai certaines personnes qui se sous-estiment en fait et qui nourrissent des pensées, prudence, hein, les pensées sont créatrices, qui nourrissent des pensées qui les bloquent. J'ai des gens qui se sentent limités aussi de par leurs origines. Ça, c'est dans la tête en fait. Hein, on me dit de vous dire ça. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. J'ai des gens qui n'osent pas se lancer dans des projets également. On vous demande de passer à l'action, de prendre confiance en vous et de passer à l'action. Bien voilà, mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, activez la petite cloche pour avoir les notifications. Je vais maintenant prolonger cette guidance par un tirage sentimental pour les scorpions célibataires et les scorpions en couple. Vous retrouvez ça dans une vidéo à la suite de celle-ci. J'ai terminé, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite.